Alors, quels sont les enjeux actuels des milieux industriels ? Les enjeux actuels du milieu industriel sont de pouvoir réconcilier l'OT et l'IT, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau OT, l'enjeu, c'est de pouvoir, de manière simple, opérer les machines, assurer une maintenance, assurer une haute disponibilité des chaînes de production, et côté IT, sécuriser, évidemment, apporter une infrastructure flexible. Donc finalement, on voit l'enjeu, il est autour de comment connecter les équipements, comment collecter l'information, comment la traiter et comment analyser l'ensemble de ces données de manière sécurisée. Alors, qu'apporte l'Internet des objets dans ces environnements ? Avoir une visibilité en temps réel et sur la santé de la chaîne de production grâce finalement à la collecte des données mais aussi à l'analytics qu'on va mettre en place. Et c'est tout le sens du partenariat entre Cisco et SAS. Et vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce partenariat ? Alors, c'est un partenariat international qui est technologique, qu'on a voulu fort dans le sens où on a mis en place des designs qui ont été validés par l'ensemble des deux équipes, permettant de rassurer nos clients sur la capacité de déployer, la capacité d'opérer et la capacité de mettre en production les bénéfices de ce partenariat.